les femmes polonaises ne sont pas seules. Tel est le message qu'un groupe de militants a scandé à Bruxelles pour protester contre un projet de loi interdisant l'avortement en Pologne en cas d'anomalie fœtale irréversible. Le texte n'autorise l'interruption de la grossesse que dans 3 cas seulement, mise en danger de la vie de la mère, viol et malformation sévère du fœtus. Si une telle loi venait à passer, nous serions dans une position encore plus marginalisée qu'aujourd'hui. Nous nous sentons comme des citoyens de seconde catégorie dont les droits ne sont pas protégés. Au contraire, nous sommes menacés par les législateurs et ce n'est pas correct. Les députés de la Chambre basse ont finalement décidé de renvoyer le dossier en commission, mais pour les activistes, il ne s'agit que d'un sursis. Ils appellent les institutions européennes à faire pression sur les gouvernements des pays où le droit à l'avortement est menacé. On doit vraiment travailler à ce que les députés européens, dans la perspective des élections de mai 2019, mettent dans leur programme la défense des droits sexuels et reproductifs, la défense des droits des femmes, en ce compris le droit à l'interruption de grossesse. Les activistes réunis à Bruxelles sont en tout cas déterminés à remporter cette lutte.